dernier jour, ça rime. Il pleut un petit peu là ce matin. Il fait très lourd, ça l'humidité est bien là, il n'y a pas de souci. Nous allons à Animal Kingdom, dernier jour aujourd'hui. Et ce soir, nous allons au Space 2 Twinny, ça va être très sympa. J'ai mis ma petite chemise Tiki Room pour être dans le thème des animaux. Et j'ai mis mon nouveau petit sac avec. Léa a craqué, elle a pris un Genie Plus. Et elle a payé pour Flights of Passage. Elle a craqué. Jamais on refait. Oui, mais faites au passé, je pense qu'on va faire qu'une fois avec le temps d'attente. Donc voilà, ça va être une très belle journée. C'est l'avant-dernier jour à Disney. Ce soir, c'est notre dernière nuit. On n'a pas envie de partir. Pas envie de retrouver le stress de la vie quotidienne. Mais bon voilà, demain en plus, on se lève hyper tôt. Vu qu'on a le petit-déj au Cinderella Royal Castle. Et hier soir, on a demandé si on pouvait laisser nos valises pour la journée avant d'aller à... Avant de changer d'hôtel, normalement c'est ok. Donc déjà ça nous fait un point en moins. Voilà, demain on va se lever très tôt, ça va être une grosse journée. Ça sent la fin. Morning! You too! Ils sont trop mignons ici. Pas fait d'attente, on est passé direct. C'est à 9h40 je crois qu'on a le lightning lane pour Flight of Passage. Et voilà, on a un petit peu faim, on va peut-être manger un petit peu quand même, parce qu'on a mangé qu'une banane ce matin, c'est pas fou. On a goûté des Pongo Olympia. Pongo Olympia, c'est des spring rolls à l'ananas, au fromage. J'aime pas. Trop sucré. J'aime pas le mélange du sucre salé. Hein. Je vais m'en tenir au petit sandwich salé à la saucisse et aux œufs. Valeur sûre. Valeur sûre. On mange. Ça c'est bon. À goût. Ah, le pain est spécial mais. Ah ouais? C'est pour maïs, non? Je sais pas ce que c'est comme pain. J'ai bien la pensée. Ils ont fait un remix. Vata. Je paye mon loyer demain. Moi aussi. Larger bluebird. He's actually waiting on that lamppost right up there. That's Nimbus. He's a hyacinth macaw. That's the chaleur, c'est horrible. C'est, en fait, le mauvais temps, c'était pas si mal. On a fait Flight of Passage, c'était trop cool. Mais du coup, quand vous faites le Lightning Lane, vous voyez pas l'animatronics dans la file d'attente. Voilà. On a vu la fin du show avec les perroquets au niveau de l'arbre. Et là, on va faire un autre show avec des oiseaux. Donc voilà, on est à Londres, on est posé. En fait, stand up right where you're at. Parents,
like to call cats to them, so that's fun. Yeah. What else do you want to do? On a fait le petit spectacle des oiseaux. C'était trop bien, c'était très sympa. Là, on va faire les bouées. Je suis en train de caner avec la chaleur. Là, je suis trop mal. Là, je sens que je suis gonflée de partout. J'ai très mal aux jambes, c'est horrible. Au moins, les bouées, ça va nous rafraîchir un petit peu. Ça va être sympa. J'espère juste que je vais pas me retrouver avec le short totalement transparent. Ce serait dommage. Faut qu'on fasse le show du Roi Lion. Aussi. Il y a quoi d'autre aussi qu'on a fait? Le show du Roi Lion, il y a quoi d'autre? Et Nemo. Et Nemo aussi. Donc voilà, écoutez, sportif. Bon, on a fait les bouées, c'était très rapide. Ça nous a fait du bien, ça nous a un peu mouillé. Je suis assise sur un banc en train de surélever mes jambes parce que je vais exploser. Il fait du bien un peu de nous mouiller là. Il fait très très lourd. On va faire quoi là? Il y a quoi bientôt là en ce spectacle? On a raté encore les oiseaux devant. Ah merde. Bah, j'ai préféré le spectacle qu'on a vu. Hein. Faut qu'on fasse Everest. Qui avait 17 ans. Là, on va faire expédition Everest. Ensuite, on va faire le show de Nemo, puis le show du Roi Lion. Voilà, ça va nous poser. J'ai tellement envie de me baigner, les gars. Je sais pas quoi, il doit faire 32, je pense. Il fait 29. Il fait 29 ? Mais ressenti 40 ? C'est pas possible. C'est horrible. Y a pas d'air. Y a pas d'air. Ouh, ça va encore, c'est moins pire qu'Epcot. Epcot, c'est vraiment lourd. Et c'est que c'est bétonné aussi, Epcot. Pour ça. Et c'est dur. Quelques personnages à notre goût, mais il n'y a pas eu le poisson avec la loupiote. Il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu le pélican. Il y a eu Bruce aussi. Oui, bah bien, attends, s'il n'y avait pas eu Bruce, je me serais posé des questions quand même. Mais ouais, écoutez, c'était plutôt sympa, c'était rigolo. Ça nous a reposé. Là, on va faire le show du Roi Lion parce que c'est à 14h. Ouais. Et on mangera après. Et voilà. C'est par là du coup? C'est plus proche? Non, c'est plus proche, mais ah. Ok. Et bah allez, c'est parti.
c'est prêt à manger. Ça a l'air plutôt très bon. On est dans la zone Afrique. On est dans l'Afrique encore. Les chips sont très bonnes. Je sais pas comment je vais manger ça, mais ça a l'air plutôt sympa. Vous avez du poulet, des légumes, la salade, petite sauce. Plutôt pas mal. Ah. On en fout partout. C'est pas le plus pratique à manger. C'est un fail. Pour manger, ouais. Tant qu'on a partout. Bon, c'est repris une belle averse. Là, ça y est, ça s'est calmé. Ça s'était bien couvert. À un moment, je sortais des toilettes, il faisait nuit. Là, ça s'est redégagé un petit peu. Et puis, bah, on dit au revoir au parc. Ça y est. Fini. Là on va rentrer tranquillement et puis bah après ce soir go Space 220, ça va être très sympa. J'ai hâte de voir le départ de la fusée, ça va être trop stylé. Mais ouais, au revoir le parc, c'était trop cool. Bon, il est 18h45, après une bonne coupure à l'hôtel, on repart direction Epcot. Il y a de la buée sur l'objectif, ça allait me voir flou, c'est insupportable. Du coup, on a commencé à bien ranger nos valises, tout ça. Comment je vais rentrer tous mes sacs dans ma valise, je ne sais pas. En fait, ce qui me fait le plus peur, c'est les friandises, toutes les friandises que j'ai eues à la soirée, je ne sais pas comment je vais les rentrer. J'ai avancé, vraiment avancé vite fait dans le montage du premier vlog. Voilà, je pense que j'en ferai un peu dans l'avion si j'ai la foi. Voili voilou, ce soir, il faut qu'on se couche tôt parce que demain, on se lève très tôt parce que le petit déj est à 8h05 à Magic Kingdom. Voilà, mais on va se remplir la panse comme il faut. Voilà, il y a encore de la buée qui arrive, je suis désolée, ça fait un petit effet très sympa. Voilà, il fait très lourd, là il fait 29, mais ressenti 33 avec l'humidité. Donc voilà, let's go Epcot, let's go Space 220. J'ai tellement hâte de vivre cette expérience par le départ et tout, c'est trop trop bien. Voilà, à tout. Le temps est tellement couvert, regardez! C'est moche! Et quelle heure? 19h18. Ok, on a encore 30 minutes avant notre réservation. Donc à voir ce qu'on a le temps de faire. Pas grand chose. Il y a Starship Us 5 minutes. Ouais. Un petit Mission to Mars? Oh non. Bah allez, hein! 50 minutes à Frozen. C'est Starship Us! Bah allez, let's go, Spaceship Earth! Non, t'arrives pas. Léa, en fait, elle mélange les noms. C'est rigolo. Donc, allez, Spaceship Earth, dernier tour, c'est parti. Yes.
ça c'est très moi. C'était très très bon, très sympa. Vous savez qu'à chaque voyage, je casse toujours un truc de ma caméra. Bon là, la caméra va bien. Mon trépied est mort. J'ai un peu trop forcé et en fait, quand je l'ai déboîté, j'ai vu qu'il était muerto pipo. Bon, en même temps, il est vieux le coco. Mais bon, Space to 20, très belle expérience, très très cool. On a réussi à choper un virtual queue pour Cosmic Rewind. Donc on y va tout de suite. Voilà, une dernière fois. Bon, on sort de Cosmic Rewind. Les gars, quand je vous dis que Dieu existe, en fait, normalement, vous avez un symbole par musique dans l'attraction. Nous, on a eu deux fois Blondie et une fois Tears for Fears. Et on était là, est-ce qu'on demande aux gens d'échanger de wagon suivant le motif, nanana. Et donc, normalement, on aurait dû avoir Conga d'après le motif. Donc bon, quoi qu'il arrive, on était contents parce que c'était pas Blondie. Ça nous aurait pas dérangé d'avoir Tears for Fears. Et là, et en fait, juste avant de monter, j'ai dit à Léa, franchement, j'aurais adoré avoir September pour la dernière. C'est pas, on a eu September, les gars. Dieu existe, Dieu m'a entendu. J'étais trop contente. Bon, du coup, j'ai filmé et tout, j'étais trop contente. J'ai hurlé, c'était trop trop bien. On était trop contente, c'était trop trop cool. J'ai versé ma larme dans l'attraction. Donc, c'était une belle dernière, au moins. Et voilà, on va aller au petit coin et puis ben, on va se run. Bon, il est 21h50, on est rentré à l'hôtel, dernière nuit, on va aller se débarbouiller, bien sûr avec les dessins de nuit, bien évidemment, terminer de ranger le petit bazar, et voilà, dernière nuit à l'hôtel, c'est trop triste, demain dernière journée à Magic Kingdom, on se lève très tôt pour aller bruncher, et voilà, on vous embarque demain pour la dernière journée, bonne nuit, bonne journée.